Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un sèche-linge pompe à chaleur. Donc, on va essayer d'expliquer c'est quoi le principe d'une pompe à chaleur, comment ça fonctionne et comment un sèche-linge pompe à chaleur va faire sécher notre linge. D'accord? Encore une fois, ce sont des vidéos de vulgarisation. Elles s'adressent à monsieur tout le monde et pourquoi pas vous pousser par la suite à réparer vous-même vos électroménagers. Donc moi j'ai démonté complètement le sèche-linge qu'on voit ici. Ça c'est un modèle Samsung. Pour le modèle exact, c'est un non c'est pas là. Où est-ce que je vais vous trouver ça? Oui, c'est le modèle DV80M5010KW. D'accord? Je vous mets tout ça dans le descriptif de toute manière. Mais voilà. Donc avant de placer les éléments pour vous montrer, donc j'ai été démonter carrément tout. Pour que vous puissiez voir. Donc ici, on a ce que communément les gens vont appeler un condenseur ou un évaporateur, mais en réalité, ce sont deux éléments. Ici, on a l'évaporateur et derrière, on a le condenseur. C'est quoi le rôle de ce qu'on appelle l'évaporateur? L'évaporateur, lui, il va récupérer la chaleur ambiante. Pour un sèche-linge, bien sûr, c'est la chaleur de l'air ambiant. Pour le principe d'une pompe à chaleur, il faut savoir qu'on peut l'utiliser pour récupérer par exemple la chaleur de l'eau. On peut avoir un évaporateur qui est placé dans un milieu aquatique, par exemple. On peut l'utiliser dans la terre, etc. Mais on va rester sur notre modèle, nous, sur le sèche-linge tout simplement. Donc on a dit l'évaporateur qui est ici, il va récupérer la chaleur de l'air ambiant et il va la transférer vers le liquide caloporteur. Dans le circuit, un liquide réfrigérant, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça, mais plus précisément, on appelle ça un liquide caloporteur, c'est-à-dire qu'il va récupérer les calories de l'air, d'accord? Ce liquide-là va aller vers le compresseur qui va le comprimer pour augmenter sa température. Il va le renvoyer vers le condenseur. Et le condenseur, lui également, il est traversé par l'air, donc il va chauffer l'air qui le traverse et il va nous le renvoyer vers le tambour. Mais alors, déjà, ici, il y a une turbine qui est placée ici, dans la partie moteur, collée au moteur. En tournant cette turbine-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aspirer l'air et le renvoyer vers le tambour. Donc, comme j'ai dit, quand elle aspire l'air, on a l'évaporateur ici. C'est lui d'ailleurs, parce que vous avez votre linge humide dans le tambour, l'air ici, il fait c'est un circuit fermé. Même s'il récupère quand même l'air de l'extérieur. Quand l'air va traverser l'air chaud, va traverser votre linge humide, bien sûr, c'est de l'air chaud, mais humide. Et quand cet air chaud et humide arrive vers ce qu'on appelle l'évaporateur, eh ben, l'évaporateur, par un système de condensation, donc il y a des gouttelettes d'eau qui vont coller sur les parois, et si je place ça ici, ils vont coller sur les parois, par un phénomène de condensation, ils vont descendre, l'eau va tomber par gravité tout simplement, et elle va venir se loger ici. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de trous derrière. Pour le condenseur, son rôle, c'est de chauffer. L'évaporateur, son rôle, c'est de récupérer la chaleur de l'air et par la même occasion, faire sécher l'air. Tu vois? Si on peut dire ça comme ça. Donc l'eau qui est récoltée, elle va descendre ici, dans cette partie. Et comme vous pouvez le voir, elle va s'écouler ici, de là, elle va partir derrière, et c'est ici qu'on va trouver la pompe qui va récupérer l'eau. En réalité, c'est l'eau qui provient de votre linge humide. Elle va récupérer cette eau pour l'envoyer vers le réservoir d'eau. Donc, on va placer ça à sa place, et on va, voilà, et on va remettre. La pompe à chaleur en place pour qu'on puisse revoir tout ça ensemble. Donc voilà, maintenant on a placé le système de la pompe à chaleur en place. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'évaporateur. Donc l'évaporateur, il a une grande surface de contact. Donc quand l'air va le traverser, il va récupérer la chaleur de l'air. Comment il va la récupérer? Parce qu'il est traversé par une tuyauterie qui contient le liquide caloporteur. On dit caloporteur parce qu'il porte des calories et il va les transmettre. Il va absorber des calories. Donc, il va absorber cette chaleur qui est dans l'air environnant. Il va la renvoyer, donc avec la tuyauterie, vers le compresseur. Le compresseur, lui, il va comprimer
ce liquide caloporteur, et quand il va le comprimer, il va encore augmenter sa température. Et quand il va le comprimer, augmenter sa température, il va nous le renvoyer vers le condenseur qui est ici. Et c'est cet élément-là qu'on appelle condenseur qui va chauffer grâce, encore une fois, à cette tuyauterie qui contient notre liquide caloporteur. Et par la même occasion, il va chauffer l'air qui le traverse. La turbine tourne là-bas, elle va aspirer l'air. Ici, l'air, il est chauffé et renvoyé vers le tambour. Cet air chaud, il va faire sécher votre linge. Il va porter des pluies et de l'humidité, ce qui va venir traverser notre fameux filtre. Donc, ce filtre-là, il a comme rôle de récupérer la pluie qui vient de votre linge, mais il permet de laisser passer l'air chaud et humide. Cet air chaud et humide va traverser ce circuit-là pour sortir de l'intérieur, tu vois, et repartir. Alors, et repartir vers notre évaporateur. Évaporateur qui, par un effet de condensation, va récupérer l'humidité sous forme de gouttelettes. Par effet de gravitation, cette eau ou ces gouttelettes d'eau vont descendre, traverser les trous que je vous ai montrés tout à l'heure et partir vers notre pompe qui va aspirer ou qui va pomper l'eau pour l'envoyer vers le réservoir. Et ainsi de suite. Donc ici, on récupère l'humidité de l'air, on récupère la chaleur de l'air, et puis comme l'air est déjà chaud dans une première partie, c'est pour ça que c'est efficace comme système. L'air chaud va encore chauffer plus notre liquide caloporteur, ce liquide qui va vers le compresseur, qui chauffe encore plus quand il va le comprimer et qui va nous le renvoyer vers le condenseur qui va chauffer encore plus l'air qui le traverse. Elle renvoyait vers le tambour et ainsi de suite, et ça nous fait un circuit fermé. Donc, j'espère que c'est clair en termes de fonctionnement d'une pompe à chaleur. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, parce que le but justement, c'est d'essayer d'ajuster le contenu selon les demandes, est-ce que c'est très clair ou pas, etc. On va continuer sur des modules sur pourquoi mon sèche-linge ne sèche pas, pourquoi mon linge sent mauvais, pourquoi il fait du bruit, et ainsi de suite. On va faire toute une série comme ça. Mais j'estime que quand on attaque la partie pompe à chaleur, qu'on explique quand même le principe de la pompe à chaleur. N'hésitez pas de vous abonner parce que ça aide énormément. Lâchez un like si ça vous plaît ou si vous trouvez ce contenu-là utile. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what